Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo sur EtherConnect. Je suis désolé, elle va être un peu longue, mais il y a tellement d'informations que du coup je ne peux pas faire autrement. Donc forcément on va reparler donc EtherConnect de l'ECC. On va reparler de l'EFI où il y a plein de choses à se raconter. Et puis du prochain futur bébé qui s'appelle Panda Inu. Donc on appellera Panda entre nous. T'as peut-être entendu parler de la naissance des jumeaux dans un zoo la semaine dernière. Bon, bah, je pense que là, le panda, il va nous faire plein de petits aussi, et il n'y en aura pas que deux. Alors, avant ça, bah, j'ai un petit service à te demander, c'est de t'abonner à ma chaîne pour me motiver à continuer et puis l'aider à progresser. Donc, n'hésite pas, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu mets des commentaires, le pouce bleu, tu fais tout péter pour l'aider à grandir. Merci pour elle. Alors, au programme de cette vidéo, du coup, on va d'abord parler d'un email reçu ce matin où je vais vous en faire la lecture. Donc, c'est un email en anglais que j'ai traduit. Et dedans, bah, y a plein d'informations importantes sur ce qui va se passer sous peu. Derrière, bah justement, une synthèse des événements à venir. Et pour terminer, une simulation, donc reste bien jusqu'au bout, où je te fais une simulation de gains potentiels avec un investissement très faible pour que tu comprennes que EtherConnect peut te faire gagner beaucoup d'argent en ne mettant quasiment rien. Voilà, donc je te retrouve après l'intro et je t'explique tout ça. Donc, de retour, nous voici avec l'email reçu ce matin, donc samedi 7 août, sur les 5 dernières mises à jour importantes de l'EFI. Donc, en premier, on nous dit que la mise en œuvre de la technologie de retrait du back-office ECC vers BSC a été mise en œuvre avec succès, et tous les membres de l'ECC peuvent retirer jusqu'à 0,4 jetons EFI. Donc, il y avait eu une première vague quand ils l'ont lancé, la possibilité de retrait, où on pouvait retirer 0,1 EFI, on pouvait retirer vers MetaMask. Ce que j'ai fait, ça a très bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Si jamais tu n'as pas de compte MetaMask, je te mets en commentaire en dessous un lien vers une vidéo de Chris Novak qui explique très bien comment créer son MetaMask et faire justement le transfert de EtherConnect vers lui des 0,1 EFI. Donc, je ne vais pas refaire une vidéo sur le sujet, il y en a une là qui est très bien faite, je préfère promouvoir cette vidéo. Bon, aujourd'hui, donc, on nous dit qu'on peut faire 0,4 jetons EFI, donc je suis allé vérifier sur mon compte. Le fait d'avoir fait le 0,1 EFI la dernière fois, je ne peux transférer que 0,3. Donc c'est bien 0,4 en tout. Donc si tu ne l'as jamais fait, tu pourras faire 0,4. Si tu as déjà fait le 0,1, tu pourras faire un 0,3 si tu le souhaites. Moi, je ne l'ai pas fait. À partir du 1er septembre, donc les retraits sur les jetons EFI, puisque là-dessus, on avait des bouts d'informations, on n'avait pas forcément tout. Donc là, au moins, ça permet d'être clair. Donc on pourra commencer à partir du 1er septembre à faire de la vente de jetons EFI, que ce soit à partir d'EtherConnect ou du site EFI.com. Donc pour les EFI que tu auras acheté toi avec tes propres sous-sous, eh ben tu pourras en retirer 10% par mois et ce sera libéré tous les jours. Donc bon, ça fait le même pourcentage que pour le stack, donc en gros on va t'en libérer 0,33% par jour que tu pourras vendre ou cumuler pour vendre une fois par mois. Et par contre, ce que tu as reçu en airdrop, là tu ne pourras en vendre que 1% par mois. Ce sera libéré quotidiennement aussi, mais ce sera limité à 1% mensuel. Donc là, il donne un exemple de quelqu'un qui aurait 30 000 jetons EFI, donc ça fait 3 000 jetons qui seront débloqués donc à l'achat, hein, 30 000 jetons à l'achat, donc 3 000 jetons qui seront débloqués tous les mois, 10%, donc pour le mois de septembre. Donc chaque jour, ça permettrait de retirer 100 jetons. Voilà, la même chose pour octobre, novembre, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement. Après, on nous explique pourquoi est-ce qu'il y a eu le test de trading avec les 5000 jetons qui avaient été lancés sur PancakeSwap. Donc, c'était pour établir un historique des actions de prix, ainsi que pour obtenir des jetons répertoriés donc, sur différentes wallets. Après, donc, on nous informe qu'ils vont commencer à libérer à partir du 1er septembre des lots de 200 000 à 500 000 jetons, de 1 million, à 500 000 jetons, qui vont entrer donc dans le système chaque mois. Donc il faut s'attendre à des fluctuations de prix. Donc moi, ce que je comprends là, c'est que bon, bah, du fait qu'il y aura des grosses injections quand même de jetons, le prix risque de se tasser un peu avant de repartir, le temps que ces jetons soient vendus et que la demande redevienne supérieure à l'offre.
Donc du coup, on nous dit ayez toujours une vision à 5 ans lors de l'entrée dans les tokens, surtout dans les étapes de vente privée. Donc là, bon, on nous prévient que ça pourrait prendre du temps avant d'avoir une forte progression à suivre. Après, on nous dit la technologie FI et AMM DEX est en cours de construction tous les jours et selon notre responsable technique, elle devrait être prête à être testée dans environ 2 semaines avec la fonction swap et plus tard sur l'agriculture de rendement, donc farming, les poules de jeunes, etc. Nous ne pouvons pas donner l'heure et la date exacte, toujours imprévisible, ok. Mais le mois d'août s'annonce positif pour le lancement bêta de la plateforme FI et AMM DEX. Donc là, bah, on nous annonce la naissance de la plateforme d'exchange d'Etherconnect. Après, on nous dit que le jeton Panda Inu sera le deuxième jeton à être négocié sur notre plateforme, à côté de ECC et FI. C'est un élément essentiel de notre écosystème. Donc ECC étant le jeton de gouvernance, FI le jeton DEX, Panda étant le jeton de portefeuille décentralisé. Et là, on nous parle de prochains jetons NFT en octobre pour les marchés NFT, les non-fungible tokens. Donc je rappelle, NFT, hein, on trouve ça a une grande mode depuis le printemps, hein, où on peut faire de l'achat-vente d'œuvres numériques, d'œuvres d'art numériques, sur certaines plateformes spécialisées. Nous allons commencer des paires de BNB et nous étendre à divers autres paires, y compris des paires de trading cross-chain. Le jeton Buzz for Panda Inu devient de plus en plus gros et nous encourageons toute notre famille et filles à participer à la vente privée via le tableau de bord ECC. Veuillez contacter l'un de nos affiliés ECC mondiaux et créer votre compte gratuit, puis attendre que la vente privée du jeton Panda Inu commence. Donc ne cherche pas un affilié ECC mondial, t'en as un là au bout de la ligne. Donc je suis affilié ECC forcément, puisque là ce qu'on parle c'est de créer un compte sur Etherconnect de manière à ce que tu puisses acheter des ECC pour pouvoir bénéficier de l'airdrop qui viendra, que je vais vous parler après, pour le jeton Panda. Donc en dessous dans la description, ben, tu trouveras mon lien pour pouvoir t'inscrire à Etherconnect. À venir donc dans les 3 prochains mois. Donc il y a un airdrop FI le 31 août, donc si tu décides de rentrer par exemple aujourd'hui et d'acheter des ECC, tu vas avoir tes ECC que tu auras acheté plus tes gains ECC jusqu'à la fin du mois, on verra tout ça dans la simulation plus tard, tu pourras avoir un jeton FI pour 50 ECC détenus. Pour les plus anciens qui ont déjà bénéficié des airdrops précédents, ça va être similaire au deuxième airdrop du mois de juillet, c'est-à-dire qu'on ne va toucher les FI bonus que sur les gains ECC que l'on aura fait depuis le dernier airdrop. Donc le stacking ne sera pas récompensé comme ça l'a été le mois dernier, puisqu'on a déjà touché l'airdrop au mois de juin pour celui-là. La mise en vente du jeton Panda Inu devrait intervenir donc le 17 août à 2h du matin, heure française, donc prévoir le café, c'est pour ceux qui voudraient acheter dès sa sortie. À quel prix? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être 10 centimes comme l'a été le CC et comme l'a été les FI? Il y a tout à parier, hein, donc à voir après quelle vitesse il va progresser, s'il va s'envoler aussi vite que le jeton FI. Et puis donc le 30 septembre, un airdrop Panda Inu, où là en fait pour un ECC détenu, on aura 20 jetons Panda. Donc là, comme c'est le premier airdrop Panda, j'imagine que ça va être sur la totalité des ECC détenus, à la fois le stack et les gains en ECC. Et puis un jeton NFT en octobre, là, qui nous est annoncé dans le mail. Donc là, bon, à définir, hein, je ne sais pas comment il va arriver, ni à quel... Et quel prix, tout reste à construire. Donc voilà, donc on arrive à une simulation, puisque je voulais que tu te rendes compte de ce que ça pouvait donner en partant avec un budget tout à fait raisonnable. Donc je rappelle que le budget minimum pour acheter des ECC sur Etherconnect, c'est 50$. D'accord. Bon, il faut éviter de viser le 50$ tout pile, parce qu'on a des chances de le faire en dessous. Moi, je m'étais fait avoir quand j'ai créé le compte de où j'ai voulu mettre 50$, j'ai bien envoyé les 50, puis c'est arrivé en 49,98$, donc du coup j'étais marron, parce que c'est pas que tu peux ne pas acheter en dessous de 50$, mais si tu achètes en dessous de 50$, tu as pas le droit au bonus quotidien, donc ton 0,33% de tous les jours ou 10% mensuel, tu n'y as pas le droit si tu es en dessous de 50$. Donc vaut mieux prévoir un peu plus. Donc là je suis parti sur une hypothèse à 60$.
Bon, 60$, ça fait à peu près 50€. Ok, un peu de choses près. Donc là, on imagine qu'on est aujourd'hui, tu rentres, tu as pris mon lien d'affiliation, tu t'es inscrit, et puis tu décides de mettre 60$ sur EtherConnect. Alors si aujourd'hui, tu n'as pas de portefeuille électronique, de wallet, pour te permettre de faire du transfert vers EtherConnect, puisque sur Ether, tu peux avoir du Bitcoin, du Litecoin et du Dogecoin, je crois, pour transférer, tu peux pas charger avec ta carte. Tu regardes dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo tuto sur Binance pour justement créer un compte et pouvoir l'utiliser pour charger EtherConnect, par exemple. Tu trouveras dans la description de la vidéo mon lien d'affiliation qui te permettra d'avoir une réduction sur les frais de transaction à partir de Binance. Donc là, tu décides de mettre 60$. Au cours du jour, qui est à 0,3717$, donc 37 centimes, donc ça va te faire 161 jetons ECC. D'accord ? Le cours de l'EFI aujourd'hui, il est à 14,50$, mais tu t'en fiches, puisque là, je prends l'hypothèse que tu n'en achètes pas, hein, tu achètes juste 60$ d'ECC. Donc ton portefeuille, il vaut 60$ aujourd'hui. On se projette un peu à la fin du mois, 31 août. Donc comme ton stack, alors par contre je précise que tes 60$, là tes 161 jetons, ils sont bloqués pendant un an. Pendant un an, tu ne peux rien en faire, tu ne peux pas les vendre, tu peux uniquement les regarder progresser. Donc là, fin août, à coût de 0,33% de gain journalier, donc il nous reste 24 jours jusqu'à la fin du mois, donc tes 161 jetons vont devenir 174 jetons. Le cours de l'ECC, je l'ai fait progresser de 15%. Moi, quand je suis rentré au mois de mai, il était à 0,2119. Ce que je constate depuis, donc ça va faire 3 mois, c'est qu'en gros, le cours progresse de 20% par mois. Pas par rapport au cours d'origine, mais par rapport au dernier cours actualisé. Donc voilà, il progresse de 20% sur un mois. Sur le mois d'après, par rapport à ce nouveau cours, il progresse encore de 20%, ainsi de suite. Donc c'est ce que... Hein. Donc, une progression de 20%. Donc là, je l'ai fait monter de 15%, puisqu'on... reste 3/4 de mois à peu près, donc je donne un cours à 42 centimes. Bon, je précise que ce ne sont que des chiffres, qu'une hypothèse que je construis, ce sera forcément pas ça, mais ça permet d'avoir une simulation qui te donne une orientation. Donc du coup, mes ECC valent 74$. À fin août, et puisqu'il y aura l'airdrop FI où tu pourras toucher un FI pour 50 jetons ECC, tu vas toucher à peu près 3,5 FI. Le cours, il est à 14,50$ aujourd'hui. Bon, il avait grimpé fort, il avait démarré à 10 centimes au mois de juin, donc forcément ça a grimpé beaucoup. Là en ce moment ça se tasse. Là je suis parti sur une hypothèse où il augmente de 10 centimes tous les jours. Donc en gros, ça me le met à 17$ à la fin du mois. Donc là tu récupères 59$. Ça c'est du cadeau. C'est gratuit, toi t'as rien investi. Donc là, rien que par l'airdrop FI, déjà, tu doubles ta mise par rapport à ce que tu as investi. Et tu as en plus le gain sur tes ECC. Donc là, tu arrives à 133$ déjà en fin de mois, alors que toi t'as mis 60$ le 7 août. Donc, ce qui est déjà important. Le 30 septembre, donc ton nombre de jetons ECC a continué de progresser, puisqu'il a repris 10% par rapport à tes 161, donc on a rajouté 16,14 ECC, tu arrives à 190 ECC. Le cours, je l'ai fait progresser de 20%, comme expliqué précédemment, donc on est à 51 centimes. Le nombre des filles, lui, il bouge pas. J'ai pris une hypothèse que le cours allait monter à 20$, j'en sais absolument rien, du fait de la libération d'une partie des filles qu'on pourra vendre. Bon, peut-être que le cours il va se tasser un peu, et après qu'il va rebondir, bon, est-ce que ça va être 20$, est-ce que ça va être 15, est-ce que 18 ou 30, je n'en sais absolument rien, j'ai pris une hypothèse, je me dis, bon voilà, il progresse à 20$. De toute façon, il ne faut pas perdre de vue que ce que tu as ici en valeur FI, c'est de toute façon du bonus, puisque c'est par rapport à ce que tu as acheté en ECC, toi tu n'as rien investi d'autre. Et puis là, fin septembre, il y a l'airdrop Panda, où là, pour 1 ECC, détenu, tu récupères 20 jetons panda. Donc tu récupères 3800 jetons panda. On imagine que le 17 août, il a été mis en vente à 10 centimes. Là, j'ai été gentil. 30 septembre, un mois et demi après, je le maintiens à 10 centimes. Bon. J'espère bien qu'il va faire beaucoup plus que ça. Mais, on va le garder à 10 centimes. Et bien là, ça te fait 380$ de cadeau encore. D'accord ? Donc c'est toujours le même principe. Toi, t'as acheté 60$ de CC. Tu t'es pris 70$ de cadeaux
Effie, et là tu te prends 380$ de cadeau au panda. Tu arrives à 547$. T'as déjà presque fait 10 fois ta mise. Ok ? On continue. 7 août 2022, je me place dans un an. Dans un an, tes 161 jetons ECC sont devenus 355 jetons. Et là, tu peux les vendre. Le cours, j'ai continué de faire progresser à 20% par mois. Du fait du cumul, on arrive à un cours à 3,31$. Il y en a qui le voient beaucoup plus haut que ça. Ce qui te fait un 1176$. Par rapport aux 60$ que t'as mis. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Les filles n'ont pas bougé. J'ai pris une hypothèse qui montait à 50$. Ben, c'est pareil, hein. Il y en a qui le voient beaucoup plus haut que ça. Donc ici, tu récupères une partie FI. Et puis Panda et nous, bon alors là, j'en sais rien du tout. J'ai mis, bon allez hop, il va faire un x10 en un an, pourquoi pas. C'est raisonnable, il monte à 1$. Tu fais 3800$. Résultat des courses, tes 60$ du début deviennent 5152$. Tu multiplies par 86 ta mise. Là, tu trouves les chiffres juste énormes, hein. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Donc tu te dis, voilà, c'est pas possible, il raconte des conneries. Peut-être, parce que peut-être que ces cours-là n'existeront pas. Je te fais une autre hypothèse. Toujours 7 août 2022 dans un an. T'as toujours le même nombre de jetons. On imagine que les cours, ils bougent plus. Ils sont figés à aujourd'hui. Donc là, tes jetons ECC, ils sont à 37 centimes. Tes jetons FI, ils sont à 14,50$. Et tes jetons Panda, bah, ils sont restés au cours d'ouverture à 10 centimes. Tu as en capital 562,56€. Tu fais presque 10 fois ta mise. Même si plus rien ne bouge. 10 fois ta mise en un an, tu m'expliques où est-ce que tu trouves ça ailleurs? Moi, j'en connais pas. Alors là, je parle pas de disponible, pas disponible. Hein. Bon, dans un an, tes ECC seront disponibles. Tes FI, bah, t'en auras une partie de disponible. 10%, parce que comme là, t'as pas acheté, donc c'est les 1%. Ça, libéré à 1%. Donc 1% par mois, donc pour en libérer 100%, ça prend 8 ans et 4 mois. Donc, c'est pas sur les FI. Bon, ceux-là, à la limite, tu vas pas te les récupérer. Tout de suite, hein, tu vas attendre que ça monte gentiment. Et puis Panda, bah, j'en sais rien, on nous dira le moment venu comment on peut les libérer. Mais toi, en capital, bah, t'as 562, t'as fait 10 fois ta mise. Donc tu peux continuer de te dire que c'est n'importe quoi. Donc je te montre ma situation à moi. Moi, je suis rentré le 14 mai, avec 145$ à peu près de CC. À 21 centimes 19, ça m'a fait 684 ECC. Le 18 juin, un mois après, quand FI, un peu après que FI soit sorti, j'ai pas réagi assez vite, j'ai acheté 62,18$ de jetons FI. Il était à 43 centimes à ce moment-là. Donc j'ai eu 144,5 jetons FI. Avec le gain quotidien là, des ECC et le cours qui avait évolué de 21 à 28 centimes, bah déjà, je me retrouvais avec 275$. Donc déjà, supérieur à ce que j'ai investi, puisque là, j'ai investi 145 et 62, donc j'ai mis 207$ en tout. Depuis, moi, j'ai plus rien mis. Hein. Donc je suis à 207$. Okay, et là, la simulation que je te fais, c'est en ne prenant que les ECC et les FI que j'ai achetés. Donc là, je ne tiens pas compte, dans un premier temps, des deux airdrops qu'il y a eu, et des quelques parrainages que j'ai pu faire. Donc là, à la date d'aujourd'hui, sans airdrop, sans parrainage, j'ai 850 ECC, le cours est à 37 centimes, donc je suis à 316$, donc tu vois déjà mes 145$ de départ, j'ai fait plus que les doublés, et mes jetons FI à 14,50$ valent 2095$ pour 62$ investis. Donc là aujourd'hui, je me retrouve avec un portefeuille à 2411$ juste sur mes achats de CC et des FI, donc je fais un x12. La situation réelle de mon portefeuille d'aujourd'hui, c'est que j'ai 1000 jetons ECC, que j'ai 269 jetons FI, puisque il y a les deux airdrops qui sont passés par là-dessus, et puis il y a quelques parrainages, hein, comme sur le CC, à 14,50. Donc aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui fait 4295$. C'est surtout grâce à l'airdrop, aux deux airdrops. Donc là, je fais déjà un 20 fois ma mise, puisque moi j'ai mis 207$. 20 fois ma mise entre le 14 mai et le 7 août. Ça fait pas 3 mois. Enfin, 3 mois dans une semaine. Donc, de se dire qu'ici, tu vas faire un x10 en un an, c'est complètement sous-estimé. Tu vas faire beaucoup plus que ça. Dire que tu vas faire un 86
fois 86 en un an. C'est peut-être beaucoup, j'en sais rien, je sais pas comment vont évoluer ces cours-là. La vérité, elle est peut-être entre deux, mais même si tu fais un fois 20, un fois 40 ou un fois 50, c'est déjà énorme. Tu peux très bien faire un fois 200, parce qu'on sait pas comment ça va évoluer tout ça, donc ça peut très bien exploser. Donc, tu prends le risque sur 60$ pour peut-être faire entre, prendre large, 10 et 100 fois ta mise, ou prendre le risque que tout s'écroule, on imagine, château de cartes, tout dégringole, de perdre 60$. Moi, je pense que le choix, il est vite fait. Alors, 60$, ça fait 50€. 50€, c'est quoi? Bah, voilà. T'avais décidé de réduire sur la cigarette, bah, c'est le moment. Ce mois-là, t'achètes 5 paquets de moins. Ça change rien à ton budget. Tes poumons te diront merci. Et puis, tu prends une sacrée opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ou alors, bah, t'as pas voulu te faire vacciner. Bah, à partir de lundi, tu peux plus aller au restaurant, t'as pas de passe sanitaire. Bah voilà, donc tu économises un resto, bah ton resto tu le remets ici, dans EtherConnect, et puis tu prends l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ou alors bah tu continues de pas soigner ton cancer, et puis bah tu continues de te faire livrer par Uber Eats si tu veux, et puis à la fin du mois, bah tu auras mangé tes 60$, et puis bah dans un an tu seras pas plus riche. Donc voilà, moi ce que je te propose c'est cette opportunité là, en y mettant des chiffres, pour que tu vois bien comment ça peut progresser. Donc maintenant, bah, ce que j'attends de toi, c'est que, après t'être abonné à la chaîne, avoir mis du pouce, un commentaire qui m'enflamme, bah, c'est de prendre mon lien, et puis de t'inscrire sur EtherConnect, et puis d'aller mettre tes 60$. 60$. C'est pas grand-chose, je te rassure. Regarde par rapport à ce que tu peux faire comme dépense dans le quotidien, tu vas aller trouver tes 50€ pour pouvoir les mettre là. Et là, tu peux te dire que dans un an, bah, ça pourra faire beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, je t'attends, n'hésite pas. Et puis sur ce, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao.